Bonjour à tous, namasté, c'est Nelly d'Énergie Soins Divins. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'archange Zadkiel et du message qu'il m'a donné. D'abord, je vais vous le présenter. C'est un archange qui diffuse le rayon violet, celui de Maître Saint-Germain. Et vous savez, cet archange est aussi puissant que Métatron. Seulement lui, eh bien, son rôle, c'est de libérer les charges, les poids qui nous empêchent justement d'évoluer, d'ascensionner dans la matière. Il est là vraiment pour nous permettre, avec le violet, d'acquérir une plus grande spiritualité et de libérer tout ce qui est lourd et pesant dans l'incarnation. C'est un archange de la liberté, de la bienveillance et du pardon. Il nettoie les blessures et guérit aussi les deuils, les séparations douloureuses. Il peut aider à transformer justement le positif et tout ce que vous souhaitez transformer, transmuter. Eh bien, vous demandez à l'archange Zadkiel justement de libérer ce qui vous encombre. Les lourdeurs, bien sûr, et celles du passé, bien sûr. Et en s'associant, bien sûr, avec la flamme violette de Saint-Germain, eh bien, il nous aide à nous élever dans les plans supérieurs, les plans unifiés de conscience, à être vraiment centré dans son âme et dans son cœur. Il chasse aussi les basses énergies des corps subtils, comme par exemple le corps éthérique. Hein. Voilà, donc à la fin de la vidéo, je vous donnerai un petit décret pour vraiment vous nettoyer. Car en ce moment, le message de l'archange Zadkiel, eh bien, c'est que nous traversons une période de bouleversement, de traumatisme, de blocage qui est, si vous voulez, consécutif à tout ce qui s'est passé depuis des décennies. Donc il ne faut pas nous en inquiéter plus que ça. Il faut vraiment être dans l'accueil, le lâcher prise, et il faut laisser partir ce qui doit partir. La transmutation, la transformation est en train de purifier, puis surtout de balayer l'ancien pour aller vers le nouveau. Et donc le mois d'avril va être un mois vraiment de gros bouleversements, de grosses surprises aussi. On aura des annonces à laquelle on va pas s'attendre. Et les deux dates que m'ont donné les guides aussi, dont l'archange Zadkiel, c'est le 9 et le 10 mai. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais je ressens plus de la justice, peut-être des procès, peut-être des choses qui vont sortir, éclater, des secrets, des vérités qui vont se faire savoir, qui vont se diffuser. Et donc le mois de mai va rétablir la vérité, va rétablir les injustices que l'on a subies depuis plusieurs années. Et justement, cette transmutation, elle est là pour enlever les peurs, pour permettre à la lumière de percer parmi ces masses sombres, ces égrégores et ces formes pensées que l'on nous instille depuis des mois, voire quelques années. Donc n'ayez pas peur, soyez confiants, lâchez prise surtout, ne donnez pas corps à ces énergies, ne faites pas qu'en parler ou qu'à vous soucier de ça, parce que vous les nourrissez inconsciemment. Donc nourrissez la lumière, nourrissez la positivité, laissez le nettoyage se faire, tout est juste dans les plans divins. Voilà le message que Zadkiel m'a envoyé, et travaillez plus avec le rayon violet, la flamme violette de transmutation, pour vraiment vous nettoyer, vous décharger de tout ce qu'il y a autour dans la société, dans tout ce que l'on vit dans le monde, sur la planète en ce moment. On nettoie, on purifie et on apaise. Surtout, soyez dans la paix du cœur. Voilà, je vais vous donner un décret. Voilà, pour vous permettre justement, faites-le le soir, c'est bien. Hein. Le soir, vous avez passé votre journée. Soit vous faites ma méditation de la flamme violette, qui est très bien parce qu'il y a le décret, puis vous me suivez. Vous avez juste à écouter et à suivre les instructions. Autrement, vous pouvez faire ce décret. Je demande humblement à l'archange Zadkiel de m'aider afin de développer ma sagesse et mon élévation spirituelle. Que la lumière divine accroisse tout mon être divin et tous mes corps ainsi que mon âme. Je demande d'effacer tous mes blocages karmiques, akashiques et transgénérationnels afin de réaliser ma mission d'aide aux autres. Que ceci se réalise aujourd'hui et maintenant pour mon bien, celui des autres et celui de l'univers. Voilà, j'espère que ce décret vous plaira. Vous pouvez faire des pauses sur la vidéo pour le noter.
Vous pouvez aussi mettre vos propres mots, hein. Je n'impose rien, un décret, c'est vraiment quelque chose qui émane du cœur, qui émane du plus profond de vous. Et vous pouvez l'adapter aussi à la problématique. Si par exemple, en ce moment, vous avez un problème de santé ou d'abondance ou de travail, vous demandez à l'archange Jacquel de libérer les égrégores autour de votre travail ou autour de votre projet, etc. Vous voyez, vous pouvez vraiment l'adapter pour que vraiment il convienne à la circonstance que vous souhaitez débloquer et libérer. Voilà, je vous souhaite le meilleur. Prenez soin de vous et surtout diffusez la lumière autour de vous. Je vous embrasse tous et puis merci pour tous vos commentaires, pour toutes les nouvelles personnes qui viennent de s'abonner à ma chaîne. Je vous envoie plein de lumière et plein d'amour et puis restons unis dans le cœur. Namasté.